Est-ce que je mets ça? Je pense pas. Je crois que je vais plutôt utiliser cette base-là pour faire ma fermeture. J'ai changé d'avis. Voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, j'ai changé d'avis. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que en fait, j'aurais dû la mettre avant. Je pourrais toujours, mais ça va être un peu plus compliqué. Voilà, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est toujours faisable parce que j'ai l'ouverture qui est dessous, donc je pourrais très bien faire ceci. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire. Ça gênera pas. Oui, non, c'est ce que je vais faire. Je vais rester sur mon idée alors de flipette. Alors attendez, hop, ça va faire ça, ça. Ça. Et on va mettre donc des flippettes comme ceci. Comme ceci. Et ça devrait tenir ou plus rapproché. Peu près à égale distance, mais qui tiennent bien. Donc là, vous allez la mettre. Vous avez les vagues, vous la mettez à la pointe de la vague, d'accord? Ici, pour qu'il y ait le maximum qui retienne la page, d'accord? J'essaye, je mate les papiers, je mets tous les papiers de déco. Et je vous dis que si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, au moins vous serez au courant et on trouvera une autre solution. Voilà, donc celle-ci, si vous la faites, vous la collez avant. Moi, j'ai encore la possibilité de la mettre dessous. Donc, c'est ce que je vais faire parce que ça fera plus joli quand même. Même si je vais mettre du papier déco. Alors, mon papier déco, il est là. J'ai tout préparé. Vous voyez? Alors, ça va aller ici. Ça va aller ici. Alors, j'ai pas encore préparé pour là. Par contre, j'ai préparé tout le reste. Dessus. Je mets celui-ci qui va aller là. Alors, ça va me faire ça en fait. Si je vous montre bien, ça va faire ça et ça. Comme ça. Voilà. Ça va aller là, ici je vais avoir ça, d'accord, et à l'intérieur j'ai ceci, donc le même papier intérieur extérieur. À part qu'il y en a un où j'ai repris les dentelles pour faire un effet de style. Voilà. Pour le reste, ça c'est des. C'est ici. Donc ici, j'ai fait un montage avec ceci et avec les papillons. Voilà. Donc, je colle tout ça. Avant de me reperdre et je reviens à vous. Alors, je vous retrouve. Donc, la décoration, je rappelle, sera faite une fois que l'album entier sera terminé. Donc là, hop, une petite flippette. Alors, j'ai les doigts un peu secs. Hop.
Voilà. Donc deux petites flippettes, ça change un peu. C'est discret et ça tient très très bien. Voilà. Donc on ouvre la flippette. Ça fait ceci. 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 Et là. Hop, on pousse. Donc là. Je vais pouvoir. Je l'avais pas vu. Hop, voilà. Hop. Hop. Là, on peut faire un petit texte. Je l'ai laissé comme c'est. On peut écrire un texte, etc. Là aussi, où on peut remettre encore une photo. Voilà. Donc là, elle est assez chargée, je trouve. Donc là, il faut bien le mettre droit. On soulève la flippette, pareil là, et pas de souci. Voilà pour le bloc 2, la page 3. Donc, ce qui est important, et je voulais vous montrer, c'est que la dernière fois, quand on a fait la page 1, enfin le bloc 1, donc là, on a page 1. Page 1 avec, je vous rappelle, tous les bâtons. Et la page 2. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop. C'est qu'il faut faire un rappel. Il faut faire un rappel. Alors là, je vais, je pense, rajouter un morceau de petits carrés comme ceci. Et éventuellement, pareil, un petit morceau de celui-là pour faire un rappel de la page qui est en face. Voilà. Donc mes épaisseurs en moyenne font 0,7 cm. Ça veut dire qu'il y aura 1,4 cm à peu près. Oui, 1,5 cm d'épaisseur pour chaque bloc. Voilà. Donc, bloc 1, bloc 2. Demain, je vous reviens pour faire la page 4 qui va être assez conséquente aussi. Donc, je vous dis à demain. Bonne soirée.